to start this off with some truths that I've been holding in for a while. Maybe this isn't the appropriate venue, but it's really no secret that I've hated every single person that's ever tried to date any one of my siblings. I take a while to warm up, okay? And these are like the nearest and dearest to my heart. So I treat any newcomer as I should, as a threat. And Laurent, you're no different. He came into my house, and from the second he walked in, I analyzed his every move with scrutiny. Why didn't he laugh at that joke? Why did he yawn? But like a true champion, he hung in there. Every encounter, we interacted hesitantly, but something was different about this one. With Laurent, she just knew. She didn't need my comments, my opinion, nothing. She just knew. And here we are. The way you guys complement each other is so perfectly. Laurent is dancing into the crowd, Lori's dancing out of the crowd. Laurent's dragging her back in, and somehow it works. You bring out the best in each other. Car il s'agit des deux familles exceptionnelles. Sont en train de s'unifier ce soir. Ce soir, au moment de la choupa, les âmes viennent du paradis pour être présents avec vous, pour vous bénir, pour prier pour vous, pour ces générations que vous êtes en train de construire ce soir. D'un mariage, c'est que vous êtes en train de construire une maison pour beaucoup d'années. Alors, comme dans une maison matérielle, l'essentiel, c'est les fondations. Il faut que ça soit fait d'une forte matière qui peut tenir dans des différents changements de température, d'humidité. Aussi quand vous êtes en train de construire une vie ensemble dans la vie, il peut y avoir des hauts et des bas. La meilleure façon de le faire sur les fondations solides, qui sont la matière la plus forte, qui ont passé toutes les épreuves, plus que 3500 années, qui est Torah et Mitzvot. Simchati.